Quand je suis dans mon atelier pour créer mes bijoux, j'ai vraiment la passion qui monte en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots, mais c'est quelque chose qui vient naturellement, qui je trouve puise l'inspiration vraiment tout autour de moi. Et des fois, voilà, j'arrive avec une idée et je fais cette idée. Et c'est comme un état de flow en fait. Je ne réfléchis pas et juste je crée ce que j'avais en tête. Souvent il évolue, mais voilà, c'est justement ça qui est beau, c'est de partir d'une idée et de le voir évoluer et devenir ce que ça devient. J'aime vraiment la bijouterie et les bijoux parce que c'est quelque chose de très symbolique. Si on t'offre un bijou, tu seras relié un petit peu avec cette personne qui t'a offert le bijou. Et il y a un mana qui est très fort dans les bijoux, j'aime beaucoup ça. Et du coup, c'est vrai que quand je crée, j'ai souvent cette idée de l'eau. J'aime bien le marteler parce que ça fait comme des reflets sur l'eau. Je transmets un peu ce que je vois de la nature en objet. Je m'inspire beaucoup des matériaux. Je suis en contact des éléments avec le feu, avec l'eau. Et c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, j'essaie de rester proche de ça, proche de mes inspirations. Et du coup, c'est vrai, voilà, je pourrais comparer un petit peu mon travail à l'idée d'une rivière qu'on ne peut pas contenir et qui suit son propre chemin.